Coucou. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans un nouveau shopping vlog chez Ikea. Alors aujourd'hui, on va chez Ikea faire du shopping chien. Et on est accompagné de Tasia, un croisé malinois de 11 ans et demi. Nous sommes accompagnés de Tasia et de sa maîtresse. Oui, c'est bien ma puce. Mais de toute façon, dès que c'est dans des dégradés clairs, avec du blanc, du gris, du... je suis ultra fan. Voilà. C'est joli, hein, j'aime bien. Par contre, j'ai pas trouvé ici des bons coussins. Oh, mais celui-là, il est bien en fait. Moi, j'en ai acheté un mémoire de forme ici, avec la forme de la nuque. À 10 balles. Ça, j'aime bien aussi. J'en ai pour dormir. Ah ouais, moi j'en ai acheté plusieurs. Polyester, c'est bon. C'est celui-là. Hampdan. Oui, c'est ça. Parfait. Ok, bon, je voulais rien prendre. Ça commence bien. Tu m'avais dit. Mon sac que j'utilise pour mettre pour les cours, je ne l'ai pas vu la dernière fois. Et je ne l'ai pas revu et depuis j'ai vu celui-là, mais c'est aussi une sorte de sac de sport, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas revu ici. C'est peut-être de nouveau quelque chose qu'ils font par période. Oh, mais il n'y a pas plein de poches, il y a ça dessus. Moi, tu sais, le fait qu'il y ait plusieurs poches différentes, je crois que c'était pas mal. Le semaine, le labrador, tout le gris. Ah, trop chaud. Alors, mais elle est adorable. Elle est adorable, c'est une petite chienne. Ils en avaient un en trois, en fait. C'est un verre avec des trois blancs. Et du coup, eh ben, je le faisais comme ça. Et les grands chiens, ça faisait le chien et le grand chien. C'est génial, c'est trop top. Bien. J'étais tellement contente de mon travail. Je peux très bien en acheter deux, mais ça te fait un long tunnel. C'est parfait, parce que moi je prenais le petit tunnel, je sais pas où il est. Ouais, le petit verre. Mais du coup, à une certaine taille, il passe non, plus. Alors que là, même les chiens géants, tu peux changer la hauteur. Tu vois, moi je calais avec des piquets. Et le grillage, du coup, ça leur faisait un grand tunnel. C'est génial. Tente de lit. Ouais. Cura. C'est joli, en plus, la couleur, tu vois. Enfin, ça faisait très coloré, moi j'aime bien. C'est des oreilles de... J'ai cru que c'était des oreilles de chien. Non, c'est des oreilles de chauve-souris, mais bon. Mais tu sais que le premier costume de truffe, c'est Ikea que j'ai acheté. C'est vrai? Si, je te jure. On a commencé avec ça, avant que je fasse fabriquer, puis que des gens qui sachent le faire. Petit tunnel. T'as vu les valises? Il y a des petites valises. Ah, c'est là. T'imagines? Tu rajoutes juste un truc pour faire ouvrir, fermer. Mais je les vois plus, les boîtes avec les numéros 1, 2, 3. Ça m'embête alors. C'est pas ça? Non. Moi, je faisais ça pour cacher des croquettes dessus. Mais je les ai en rond, je crois. Ouais. Il y a des grands paquets. Pour l'exercice de la friandise. Ouais. Alors là, on a voulu aller manger les frites qui sont par terre. Hein. On y va. Oui. Il y a des plantes qui sont cachées. C'est joli. La fontaine à eau. Ouais. Ça aussi c'est nouveau. C'est nouveau, tout l'ensemble là aussi. Le truc pour la fondue, ouais. Je l'avais jamais vu avant. Mais en ce moment, d'une semaine à l'autre, il y a des nouveaux trucs, c'est fou. C'est mon style. T'as vu le bol
avec le bois dedans et... Ouais, j'adore. C'est ça, j'ai vu juste un moment que j'y pense. Ah, voilà ce qu'il faut. Une barre juste. Par contre, je me souviens plus de la taille. Mais qu'est-ce que tu fais ? Un feuille de bananier. J'en achète encore deux parce que j'adore. Ah, c'est pas la même chose que... C'est marrant. Ah si, c'est ça. Si. Ah, du coup, tu peux le... Tu peux l'ouvrir. Comme ça. Ou bien le laisser bas. Ah, c'est cool. Du coup, moi, je me suis dit pour, en fait, toutes les chaussettes propres qui sortent complètement dépareillées du séchage, je vais mettre dedans, là-dedans pour les, en attendant de les trier. Le panier à chaussettes perdu. Et puis, du coup, c'est joli quand même, tu vois. Ouais. Tu es déjà un vieux, bien. Donc ça, ça va avec les piles rechargeables. Bon, je regarderai ça une autre fois. Faut vraiment que je passe sur du rechargeable. Oh, c'est tellement mignon. Je trouve toujours très joli les tapis Welcome, mais j'ai du mal à souhaiter Welcome à tout le monde depuis que j'ai regardé Buffy contre les vampires. Faut pas inviter automatiquement les vampires à rentrer chez soi. Voilà. J'adore ceux-là avec cette couleur-là. Ouais. Du coup, j'ai bien envie de m'en prendre. Ouais, c'est vachement joli. Ça irait vachement bien avec le mur que je veux faire. Et ça existe aussi en. Bon, bah, tu l'as aussi comme ça. C'est en carré. Comme ça, c'est pour les plantes, ça. Non, c'est les ribas. Les cadres ribas pour le truc de succulente, c'est ceux-là. Là, t'as en noir, ils sont là. Ouais, c'est ça les cadres ribas. Ils sont en train de tout refaire. Ah, ils vont peut-être mettre tous les trucs chiens. Est-ce que ça va venir, les trucs chiens? Ah ouais, bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait des feuilles de cannabis, mais en plus gros. Ouais. C'est vachement joli. Ah non, ça c'est des bougeoirs. Bougeoirs, attends, c'est marqué où le nom? C'est 8 francs. Oh, c'est rien. Mais tu penses que... Déballer, quelle taille ça a? Ouais, c'est ça que tu m'as demandé. C'est japonais en plus. Par contre, il y a un micro. J'ai filmé une vidéo ici il y a une semaine. Ça a déjà tout bougé. C'est incroyable. C'est violet dessous. C'est beau, hein? Je pense pas que ça pendouille. Par contre, ce que je te disais pour les Hoya, là ils les ont montés, mais c'est quelque chose qui pend normalement. Ah oui. Tu vois, t'en as encore plein là en bas. Et du coup, tu peux enlever le support et les laisser pendre si c'est quelque chose que tu. C'est bon. Ah voilà, c'est bon. Ouais, bah regarde. Ah, ouais. Parfait, comme ça tu vois. Ouais, c'est ça que je voulais. Attends. Regarde. Les feuilles vont s'orienter avec la lumière, je pense. Je prends ça, t'as raison. C'est okay. Peut-être... C'est la coupelle, je prends ça. Ouais. La coupelle, elle est inclue normalement. Ouais, c'est et tu vois, ils sont pas chers en plus. Ouais, je prends ça. T'as raison, c'est plus original. Voilà. Ils sont en train de mettre des choses sympas en place. Hein. Celle-là, elle est trop jolie. Elle est blanche. Et c'est l'arrière qui est rose.
Mais moi j'ai plus de place pour les orchidées, je peux pas la prendre celle-là. Et là ils sont en travaux, t'as vu? Je me réjouis qu'ils aient fini. Ça va être cool. Je reviens de ce petit shopping improvisé avec Laurence et sa chienne Tasia que vous avez pu voir dans la première partie de cette vidéo. Et puis maintenant je vous montre brièvement ce que j'ai acheté. Je dois avoir les lunettes je dois avoir les lunettes toutes puerques. Qu'elles sont propres. Ah, je vous vois plus clair. On espérait qu'il y ait les accessoires pour animaux. IKEA avait annoncé qu'il sortait une collection pour les chiens, les chats, enfin pour les quatre pattes. En fait, c'est pour la France, c'est pour le Japon, le Canada et je sais plus quel est le quatrième. Je me demande si c'est la Belgique. Mais du coup pas en Suisse, alors on va attendre en espérant que cette collection marche bien dans les autres pays pour pouvoir l'avoir enfin en Suisse. C'est quand même hyper chouette d'avoir des trucs pour chiens chez IKEA. Mais il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des choses pour chiens chez IKEA pour... oui, je me promène avec ma petite barre, mais je vous en parle après. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des articles pour chiens chez IKEA pour pouvoir faire du shopping chien chez IKEA. En tant qu'éducatrice canine, entre autres, vu que je travaille avec les chiens, déjà avant de travailler avec les chiens, parce que j'avais des chiens, mais depuis que je travaille avec les chiens encore plus, je détourne des choses de chez IKEA, qui sont pour les enfants, ou oui, principalement pour les enfants, que je peux utiliser pour les chiens. Et puis en fait, Laurence, elle fait exactement pareil. Du coup, on a pu s'échanger nos astuces, ce qui est hyper chouette. J'avais envie, parce que j'ai une deuxième chaîne spéciale pour les toutous, et j'avais envie sur cette deuxième chaîne de vous proposer, alors si ça vous intéresse pour le côté IKEA, n'hésitez pas à y aller, parce que je vais mettre prochainement une vidéo sur tous les accessoires IKEA qu'on peut détourner pour les chiens. Et il y a des trucs hyper, hyper chouettes et ça a du sens de le faire sur ma chaîne chien vu que c'est pour les chiens. De toute façon, quand ça sera fait, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez voir aussi, même si vous n'êtes pas abonné à l'autre chaîne. Mais si vous avez envie de vous abonner à l'autre chaîne pour mieux me soutenir, c'est avec grand plaisir. Donc, j'ai acheté une barre, une tringle en fait. Elle est... oui, je ne vais pas tout casser, ça va. Donc, elle est grande, elle fait... Ah, de 210 à 385 cm, donc ouais, elle fait 2,10 m, voilà. Parce que en fait, dans mon bureau, j'ai déjà une tringle en place et puis je voulais rajouter un deuxième niveau derrière pour pouvoir faire des jeux de profondeur, de couches, de layers. Bref. Que j'utilise finalement contre un mur pour pouvoir jouer pour des fonds photos, des fonds vidéo et puis point de vue déco. J'ai pris des petits embouts qui permettent de terminer le bout de la barre de façon jolie. Et du coup je les ai pris au passage parce que je les avais peut-être pas vus la première fois ou peut-être pas estimé que j'en avais besoin. Puis maintenant je me dis que c'est quand même plus joli de terminer la chose pour que ça soit, enfin décorativement parlant, que ça sorte pas de nulle part quoi. J'ai enfin pris un coussin. Alors c'est un coussin synthétique, voilà. C'est un garnissage 100% polyester, le tissu est en polyester et en coton. Et en coton. Du coup celui-là ça ira pour mon coussin que j'ai acheté dans la dernière vidéo. Il n'est pas en plume donc je suis contente. Par contre bah voilà quand... et ça c'est un truc, je suis embêtée aussi pour les oreillers de la chambre à coucher, du lit. Donc si vous avez des astuces je les prends avec grand plaisir. Parce que bah mon souci c'est que bon je veux pas de plume. Mais j'aimerais quand même des matériaux naturels genre coton etc. Plutôt que de dormir sur du synthétique. Mais bah, c'est compliqué, je trouve pas. Je trouve pas des choses qui soient bonnes pour la santé, pour l'environnement et pour le sommeil. Et que ça joue aussi niveau taille, parce que les tailles de chez IKEA, c'est pas ma taille. Parce que moi, c'est des tailles carrées, les oreillers. Donc, si vous connaissez des bonnes marques de coussins ou d'oreillers, n'hésitez pas à me les donner, qui respectent justement les conditions qui correspondent à mes attentes. Je serais hyper ravie. Parce que c'est un peu compliqué. Peut-être que je regarde juste pas au bon endroit. Bref, en tout cas, pour le moment, ça a l'air pas mal du tout. Et puis, j'ai acheté un nouveau Plufsig. Plufsig. Le Plufsig, c'est ce tapis pour les enfants que j'utilise pour les toutous.
Faut que je pourrais utiliser pour les enfants aussi, mais... Donc c'est un tapis qui... C'est un tapis de jeu, en fait. C'est un tapis de jeu qui se déplie. Il est hyper chouette parce qu'on peut soit le mettre en un long matelas, soit on peut aussi jouer à le plier à moitié... enfin jouer avec cette disposition. Je l'aime beaucoup justement dans les cours d'éducation pour les, ou à la maison pour les chiens. Et puis en fait, ben, d'habitude j'en ai un vert. Pour pouvoir le laisser chez moi non rangé pour l'utiliser régulièrement, ben, c'est pas très joli le vert habituel. J'étais très très contente d'en voir un avec des couleurs qui ne jurent pas avec les couleurs de ma décoration. Donc du coup là c'est bien parce que je vais pouvoir le laisser dehors et ça va m'encourager à faire plus d'entraînement encore avec les toutous parce que tout sortir à chaque fois, ben, on le fait pas. Et puis ben, moi sur mon parquet ça glisse beaucoup, ce qui est pas forcément bien pour les aplombs des chiens. Et du coup pour s'entraîner quand je fais du clicker ou d'autres exercices, ben ça fait quand même une bonne base, une bonne zone de travail sur laquelle les chiens ne glissent pas. Et puis sur laquelle c'est aussi plus confortable pour nous les humains de se mettre à leur niveau quand on a des petits chiens. Voilà. Ce que je ferai, c'est que de toute façon je vous parlerai plus de l'utilisation de ces articles IKEA pour les chiens dans la vidéo qui sera dédiée. J'ai fait le tour de ce mini haul. Alors c'est vraiment un mini haul. D'habitude j'ai ma liste, je sais à l'avance de quoi j'ai besoin et j'essaye de m'y tenir. Ça évite des achats impulsifs et compulsifs. J'ai été il y a à peine quelques jours, j'avais déjà ce qu'il me fallait et j'avais pas de nouvelle liste. J'espère dans tous les cas que ce shopping haul chez IKEA vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Comme toujours, vos petits commentaires me font toujours super plaisir et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les autres couleurs, ben, ça reste quand même compliqué et il faut tous les ouvrir un à un. Je voulais faire quelque chose de simple et c'est pour ça que je suis en train de faire mon petit bricolage. Alors, je vous montre, voilà. Hop ! Je vais m'installer là et je vais vous montrer comment je procède et qu'est-ce que j'utilise.